Jérémy Brandt, serveur pour Truy. On les nourrit avec notre blé, mais aussi avec du maïs sans antibiotiques. Il faut verser 2 sacs dans chacune des auges. Ok, j'en attrape un. Yep. Ouais. Ok, oula, c'est lourd. À table, le dîner est servi. Régalez-vous. Et voilà. Ils sont déchaînés. Merci. Je verse dans la petite? Ouais, ils vont n'en faire qu'une bouchée. Ok, je vais essayer de ne pas en mettre à côté. Vous les avez nourris quand pour la dernière fois? On les nourrit tous les jours. Et ça se passe à chaque fois comme ça. Ils deviennent dingues quand ils voient les céréales. C'est comme ça tous les jours? Ouais, ils se jettent dessus. Encore un? Ne bougez pas, je m'en occupe. D'accord. Ah oui, je comprends que vous n'ayez pas envie d'être de ce côté de la clôture. Ouais, et ceux-là sont petits. Maintenant, on va s'occuper des gros. On y va. Ouais. Je t'explique. Ils ont la dalle. Ouais, ils sont affamés. Ouvre le sac et verse le tout du long. Il y a plus de 20 kilos. Et ensuite, prends-en un autre et encore un autre. Ok. Eh ben, ils sont drôlement plus gros que les autres. Je garde les bras de ce côté, c'est ça? Ouais. Ok, les filles, tranquille. Oh là. Bon sang! Et voilà! D'où l'expression manger comme un cochon. Wow! C'était de la folie. La nourriture n'a même pas touché le sol. Les céréales sont dans leur gueule ou sur leur dos. Wow!